pas Oui, Maman il aime Viviane. pas. Maman Viviane. Maman Viviane. Oui. C'est pas parce que Roro a pris le surnom Rose là. Ça veut pas dire qu'il va Et... plus tacler Axel. Non, ça veut pas J'ai dire dit. ça. Mais... Roro, est-ce que je peux m'exprimer pour Oui, partir, faut s'il te plaît? t'exprimer. C'est toi le problème, je vois. Ok, C'est le merci mec. beaucoup. À J'ai part Roro. l'impression qu'on est trop dans la chose. Il y a juste quelque chose que Roro, qui n'aimerait pas être flatté? Qui n'aimerait pas qu'on parle de lui? Donc, sortez d'abord de l'analyse. Là, on n'essaie même pas d'essayer d'analyser ou pas l'acte ou pas, ou d'apprécier si, voilà quoi, ce qui a été fait. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui a parlé de Roro, qui a fait ses louanges, moi je vais dire comme ça, avec une chanson de Titanic, une très belle chanson d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, on est en train de se chiffonner pour ça. Ce n'est pas le plus important. De toute façon, les gens vont jaser sur ça. Les gens vont parler sur ça. Vous pourrez pas empêcher les gens de parler. Mais là, pour l'instant, on est là. On apprécie ce qui se passe là. On a Axel Méry qui vient plusieurs fois sur le panel de Roro ici, lui laisser des petits messages jusqu'à faire une vidéo pour Roro. Donc, c'est cet acte-là c'est ce qu'il a fait. C'est de cela qu'on parle. C'est ça. Oui, c'est flatteur. Oui. Jean, Oui. stable. Voilà. C'est flatteur, donc je ne sais pas pourquoi vous Allez-y. disputez pour ça là. Essayez d'aller penser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr, les gens vont le penser, mais là pour l'instant, voilà, on a surnommé Roro la Rose par quelqu'un qui vient toujours ici dans ses lives, qui lui dédicace, qui lui fait même une biographie. Voilà. Déclaration, je t'aime. Bisous. C'est Moi. tout. Je sais Avec. pas, sortez des organes pour l'instant là, ça sert Maintenant, à rien. voilà, là, mais le problème, c'est que Partagez moi, je ne vous la joie de Roro, Alex, c'est très important. attends, excusez-moi, J'ai comme l'impression que Alex. vous voulez nous imposer ce que vous vous pensez, en fait. Non, Moi, c'est dis pas ça. blessing, non, allons-y, ma Quelle belle, s'il te personne ne va plaît. laisser son ami parler Ma ici? belle, Ici, c'est la s'il te famille. plaît. Non, il n'y a pas, s'il te plaît, depuis qu'on est arrivé là, Non, qui non, est non, parlé, il non, veut je ne nous m'adresse parler. Chris. Moi, je m'adresse au Attendez, Chris. attendez Moi, qu'il je va m'adresse au parler, propos, parce je n'ai même que pas, Chris je n'a pas m'adresse. encore placé un mot. À chaque Voilà. fois, quand elle veut parler, tu vois. Elle est coupée. Vas-y, Chris, vas-y. Après, Livy va parler. Vas-y, Chris, rapidement. D'accord. Pour commencer, d'abord, je vais dire que si moi qui est là, ici, s'il si parle de Rose, ça veut dire que si abonné à lui et il est abonné à moi. Donc, ici, d'abord, il n'a pas nommé quelqu'un. Tu ne sais pas qui est derrière, qui n'est pas derrière. Nous tous, depuis le début, il n'y a pas quelqu'un qui passe aussi là de Rolo ici. Avant même que l'histoire de Axel va arriver, on est toujours ici là de Rolo. C'est souvent quand c'est gâté, puis je le vois de loin, il tapote, et puis je m'en vais. Donc, quand quelqu'un va venir vous dire que non, moi, je suis pour Roro, je suis pas, tout le monde est pour Roro. Et si aujourd'hui, qu'on a soulevé Roro pour lui donner le trophée de guerre, on n'a qu'à fêter nous tous. C'est comme si on s'en va jouer ballon. Merci. Par exemple, on s'en va jouer ballon. Si on s'en va jouer ballon, qu'il y a une équipe qui a Merci, gagné. maman Il dit, moi, j'ai gagné le trophée de ça. Il faut qu'elle essaie de me baptiser. C'est moi, la maman Chris. Bon, bref. Roro, moi, j'ai dit, prends ton nom. Parce que ton nom-là, c'est validé. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de lives ici. Mais si tu as vu que le King est venu, il Maman met tous les commentaires. Attendez, attendez, je vais prêcher pour Roro. Aïe! Nous tous, on est pour Roro ici. Qui va dire n'est pas passé sur le palais de Roro ici? Il n'y en a pas. En Mais tout cas, moi, je suis pour souvent quand Roro. voilà, attends, maman, attendez, faut, je vais. Attendez. Moi, maintenant, je suis au travail. Je vois tout de Roro, je monte. Dès que ça chauffe, je descends. Donc, Roro, tout le monde a validé Roro. Tous les lives qu'ils ont fait pendant 2 mois, là, Roro n'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais c'est lui, on a validé. Ça fait un. C'est comme c'est la famille. Nous qui sommes ici, il n'y a pas Béninois, il n'y a pas Togolais, il n'y a pas Cam. On est tous des Ivoiriennes. Maintenant, s'il y a une histoire qui est arrivée, que chacun a pris de son côté, maintenant on dit la paix. Maintenant, si on a pris Roro pour le valider, que nous, on vient fêter avec Roro aujourd'hui, on attend de fêter. Maintenant, à 15h, 10h, on va dire 20h, si Roro a soulevé veste, quand on est venu là jeter nos corps dehors, c'est le game, ça continue. Mais quand je vois des soeurs qui disent que non, quand ça va tourner, demain, si vous parlez de lui, on va se laisser. Nous, si on est Ivoiriens, si c'est laissé, on se laisse. Et quand il y a la paix, Calme-toi. on fait la paix. Non, non, tata, calme-toi, laisse-moi. Ma princesse, je t'aime beaucoup, calme-toi. C'est pas par là. Laissez-moi. Quelqu'un sait qu'il est ivoirien comme elle pour Mais l'allumer. laissez, elle va parler. Pourquoi? Non, Pourquoi mais laissez, on elle va va parler? s'allumer, puis ça, depuis le feu sort. Laissez-moi, je vais m'exprimer. C'est que je vais dire, il n'y a pas de Laissez, méchanceté elle va dedans. J'ai parler, s'il vous dit, plaît. quand il y a la paix, on fait la paix. Quand il y a la paix, on fait la paix. Le jour, il est l'heure de se laisser, on se laisse. Maintenant, on s'est laissé pendant 2 mois. Là, maintenant, Roro, même souvent, il est fâché. Il dit que lui, il a accepté le nom. On est monté, c'est pour s'amuser. Ici, personne ne paye, mais c'est son ami. On est tous des Ivoiriennes. Ivoiriens parlent mal, Ivoiriens parlent mal. Il n'y a pas d'étrangers entre nous, là où on est là.
Donc, on a qu'à se calmer. Quand d'autres mots pour dire qu'on va aller renchérir, si Roro va aller renchérir pour dire quoi? On va aller dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire à Roro? On va rien lui dire. Si on voulait lui parler mal, on n'allait pas monter là, là pour dire qu'on attend les riz, il faut renchérir, il faut mettre les roses, c'est pour s'amuser, c'est la famille. Maintenant, je tourne ma veste. Maintenant, c'est que vous vous dites que pourquoi Roro a pu. Donc, vous avez voulu que Roro n'a qu'à venir jaser à terre pour dire que le nom que tu m'as donné, je ne vais pas. Ce n'est pas là. On va pas, ça ne va rien nous donner. Je ne l'ai pas donc. Non, attendez, j'ai bien. Attends, il faut parler. Il y a un coup de vent. Il y a une team derrière lui. Donc, oui, je sais qu'il y a une team derrière lui. Nous, moi, je suis la présidente de la team de Roro aussi. Je fais partie de la team de Roro. Est-ce que Roro a une team? Au début, il n'y avait pas de team. Allô, maman. Il faut te calmer. Attends, attends, grand combo. Est-ce que c'est pas là? C'est pas là, mais vous voulez prendre au verre par là. Maintenant, si Roro dit que je ne prends pas le nom, il va dire à celle-là, ça va, tu as celle. Non, c'est la famille. Comprenez que c'est la famille. Où est le problème? Il a nommé qui ici? Attends, qui va voir son carnet ici? Personne. Nous tous on est pour Roro. Nous tous on est pour tout le monde. J'ai un peu de répondre parce que je ne sais pas moi, parce que moi je ne vais pas aller dans. Oui, mais quand je parle, t'attends de couper, couper, ce n'est pas pour toi et moi. Ce n'est pas pour nous deux. Donc arrête de te mettre dans la team. Avoir ton carnet de vaccination. Avoir ton carnet de vaccination, je vais voir. Avoir ton carnet. Ton carnet, oui, à ton nom. Et puis il n'y a pas mon nom. La fois, voyez, je vais voir. Il faut me laisser grand corbeau. Maintenant, quand vous voyez son carnet, je vais voir, elle est de la team où? Roro ne me connaît pas. Je connais ceux qui sont dans la team. Avoir ton carnet. Oh, pardon, vous aimez trop encore team. Roro, là, il est pour tout le monde, c'est un Ivarien, c'est un frère Ivarien. Vas-y. Il y a quoi? Roro, il est pour tout le monde, c'est un frère Ivarien. Non, laisse-moi. Oui, mais faut te calmer. Ok, Roro, désolé, je me mute. Allez-y. On est tous la famille, on est tous. Regarde le grand frère, le monsieur qui a parlé tout à l'heure là. Si quand parlait, il est monté, il faut qu'il a parlé bien d'assez, si ce n'est pas aujourd'hui. Ça veut dire que ce que Roro a fait aujourd'hui, tout le monde est d'accord de ça. Vous voulez qu'il n'a qu'à faire quoi à Assel? Il a donné le nom. S'il n'aime pas, il va faire quoi? Le corbeau, laisse-le là-bas. Faut te calmer. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est. Pardon. Tension comme ça. C'est pourquoi? Tension, c'est toi qui fais qu'il y a tension. Non, il n'y a pas de tension. Tout le monde est en train de rire, nous tous. C'est pas moi qui ai parlé, c'est madame, vous calmez. Ça suffit de parler pas trop sur moi comme si c'est à moi que vous adressez. C'est pas moi qui ai parlé de ça. Je parle à maman, je parle pas si vous. C'est pas qui parle de team. C'est pas qui dit que tu parles pas de la team. C'est le sens où je parle. Qui veut parler de la team? Personne ne veut parler de la team. Bon, j'ai quitté sans faire exprès. Je parle de team que je suis montée. Mais pourquoi? Maman, n'y vit pas, donc il faut te laisser. Je parle de team. Moi, je suis montée de mon arbre. Parlons quoi? C'est pour se faire. Elle ne s'adresse pas à toi. C'est Viviane qui a parlé de Tim. Elle ne s'adresse pas à toi. Je peux m'exprimer aussi. C'est Viviane qui a parlé de Tim. Non, elle ne s'adresse pas à toi. C'est Viviane qui s'adresse. Non, c'est Stéphanie qui a parlé de Tim. Je dis, Roro est une team derrière lui. Attends. Oui. S'il vous plaît, Stéphanie. Être triste n'est pas dans la team. Non, mais... elle n'a pas encore été baptisée, elle n'a pas fait sa demande de rentrer dans la team. Là, elle s'est auto-proclamée comme ça, comme si nous, on la connaissait. Bon, ok, s'il vous plaît, pardonnez. Moi, les trucs, pardonnez. Où il y a trop de bruit, là, laissez tomber, ça, c'est rien. Vous avez un team de Roro, là-bas, vous calmez. J'ai rien dit de maison. Il y a un de calme. Attends, moi, je crois pas. Vous êtes en train de faire parler de team, quoi. Moi, c'est épatant parce que on fait pas là pour Roro, mais pour Roro qui ne ça ne le dérange même pas que les gens font du jazzin sur lui. Il n'est pas dérangé par ça. Mais vous êtes en train de vous disputer pour ça. Non, on ne peut rien m'exprimer. Il faut que lui fasse une position sur les teams. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà. Je dis que quand je suis monté, il y a des mecs qui savent ce qui se passe. On m'a expliqué. Il dit ah, moi, j'ai vu les enregistrements. Mais oui, c'est que moi, j'ai pensé qu'il y a vu la vidéo. Non, mais en fait, donc, en fait... on ne connaît pas. Oui. Non, aucune. J'ai dit ah, moi, est-ce que moi, j'ai pensé pas ça. En tout cas, on suppose. Mais c'est comme ça que moi, j'ai compris. Tu essaies de me raisonner. Je dis ok, chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Mais comme tu ne m'as pas expliqué. Et c'est tout. Est-ce qu'elle a s'agité? Moi, je ne la reconnais pas dans la team, tout simplement. Non, l'essence. Et Stéphanie. Chérie,
Ouais. J'ai pas dit que je suis team de quelqu'un. C'est bon. Ah, mais est-ce qu'on peut, m'arrêter, on peut m'arrêter ces paroles-là, s'il vous plaît? Je vais voir que tu vas me chasser d'ici maintenant. Je suis de la team. Oh, oh. Mais à toi le dernier mot. Tu es de team. Ouais. C'est, vous parlez de team pourquoi en fait? Ouais. Vous êtes comme moi-même. Nous, on nous bâtit rose. Et puis, comme on nous a bâti, on rose, vous voulez venir gratter notre rose. La bouche est maintenant. Vous êtes notre rose. Vous n'êtes pas de la team rose. Laissez-nous là. On se connaît. La team rose, on se connaît. Okay. Ma camarade aussi depuis la Côte d'Ivoire. Elle bon, on va laisser la parole à Diacré. C'est ça, non? Diacré ou Christian. Est-ce qu'il est là? Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'hôte, la Rose. Je remercie tous ceux qui sont là. Et sans oublier Stéphanie, Divine et Chanty. Vraiment. J'ai bien écouté, mais apparemment, là où j'ai rattrapé le live, c'est que c'est là où les disputes ont commencé. Donc, je voudrais tout juste demander du calme, que tout un chacun mette quand même de l'eau dans son vin et se calmer pour qu'on puisse se comprendre. Voilà, en bref, ce que j'ai à dire d'abord. Merci. Ok. Qui veut parler? Livy. Oui, moi, attends, pardon. Moi, je vais parler rapidement, Rourou. Yedi, en fait, vous devez comprendre une chose. Hein? C'est que, regarde, Rourou, Axel, là, il ne valide pas les gens comme ça. Hein? Il ne parle pas des gens même, d'abord, de base même. Il ne parle pas des gens même. Est-ce que tu vois? Il aurait pu faire parabole sur tes types. Oh, donc, maintenant, là, il t'a validé. C'est-à-dire que depuis sur la toile, il y a des gens qui l'insultent. Depuis des années-lumière, mais il ne leur a pas donné l'heure. Est-ce que tu comprends? Et tu comprends qu'aujourd'hui, là, quand ils te baptisent, là, tu sais combien de personnes cherchent à ce que Axel prononce leur prénom? Hi, il y en a un même qui est dans ton live. Si Axel a dit son nom, yeah, il dit folie va le gagner dans sa position. Donc là, c'est comme Booba qui valide les artistes en France. Tu vois. Donc là, le fait que Axel t'ait validé, il a dit même ro même si les sons rose, il a dit ro même là. Il sait que tu es l'homme, c'est que tu es quelqu'un. Bienvenue Roro. Bienvenue Roro. Tu vois? Et avec la joie même. Bienvenue, il a pas dit. Bienvenue Roro. C'est qu'il a su. Il a dit bien. Attends. Il a dit bienvenue, Robo. Robo, remets le son. Remets le son, Robo, s'il te plaît. Parce qu'ils n'ont pas encore voulu notre reconnaissance. Grand Corbeau. Non, ça veut dire que c'est parce que vous comprenez pas. S'il vous plaît, calmez-vous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Roro, si tu permets, c'est toi qui dirige le live. Est-ce que je peux intervenir ou alors j'attends? Attends, on va mettre quelque chose un instant. Et puis tu vas prendre la parole. Monsieur, donc, excusez-moi, quand vous venez dans un live où il y a des dames, on dit bonjour monsieur. Hein. On dit bonjour messieurs. Bon, déjà toi tu te tais, viens vite. Grand Corbeau, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, excuse-moi, je ne me suis pas adressé à toi. J'étais là avant toi, monsieur vient me trouver. S'il te plaît, je ne me suis pas adressé à toi, donc s'il te plaît, sois poli. Il était là, j'étais en haut, d'accord? Non, je ne me suis pas adressé à toi. J'étais là avant toi et toi, tu n'étais pas là. Quand il a dit bonjour. Non, toi, tu n'étais pas là. Roro, est-ce que je peux parler? Quand tu sors du panel, on peut se calmer. Alès, on peut se calmer. Le monsieur Black, là, attends, je vais rectifier quelque chose. Alès, s'il te plaît. Le monsieur Black, là. Tu ne me parles pas comme ça, si tu es mal poli. Attends, Black, Alès, s'il te plaît. Le monsieur Black, là, ça fait la deuxième fois qu'il monte. Quand il est monté, il a salué tout le monde, il s'est exprimé, il est descendu, et là, il remonte pour la deuxième fois. Donc, il considère qu'il a trouvé les mêmes personnes.
quand non, il est fait, monté. Roro, non, en fait, Roro, il a dit bonjour, mesdames. C'est là que je dis, quand il y a un monsieur, c'est bonjour, messieurs. Voilà, messieurs et dames, si je veux. Maman, c'est toi, toujours, toi, t'es trop mais le. Je sais pas, je sais pas pourquoi Grand Kwobo gesticule. Oui, mais oui, c'est mais quoi, toi, tu braques ou quoi? Maman, même si il a qu'à dire bonjour. Allez, braque, s'il vous plaît. Tu peux adresser à moi, s'il vous plaît. Nous sommes en train de trouver, nous sommes en train de trouver une date pour. Excusez. Attendez, ce nom-là, vous voyez que, vous voyez comme ce nom rose-là, ça dérange. Ça dérange, mais, ça merci, va déranger. Merci, papa, tu as raison, ça dérange. Calmez-vous aussi. Non, attends, tu es dans ton délire, toi. Non, mais tu es dans ton délire, hein. Jaloux. Tu es dans ton délire, hein. Oh, ça te fait mal. Aïe, n'importe quoi. Maman, toi, attends, là, faut non, laisse, bon, faut laisser, moi parler. S'il vous plaît, laissez à c'est n'importe quoi. Tu laisses à l'aise tranquille. Non, mais tu pètes le pouce. Maman, bon, si tu vas répondre à de quoi parle l'auteur, toi? De quoi parle l'auteur? Il allume sa télé, il est là. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je ne rentre pas dans ton jeu. C'est pas de cela que tu parles. Alex, Alex, t'es un homme sur le panel, pardon. Ça devait mal. Oh. Oh. C'était de malade. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Non, non, on se calme, pardonnez. Pardonnez. Oui. Allô, c'est bon, je peux parler? Oui, vas-y. Ok, d'accord, merci. Bon, moi, je vais pas, voilà, je vais pas renchérir sur ce que quelqu'un a dit et tout ça. Bon, voilà, ça n'engage que la personne. Bref. Alors, ce que moi je voulais dire, et je voulais faire comprendre aux uns et aux autres, d'accord? Voilà. Nous, nous avons tous suivi la vidéo, ou alors nous avons tous été transférés cette vidéo de. Comment vous l'appelez déjà? Bon, bref, moi, je n'arrive pas à prononcer son nom. Voilà, lui qui était en comme on appelle... King, il s'appelle avec King. Kimi. Le King, le King. Avec Kimi, la fille de Makoso, d'accord? Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Non, mais Black, il s'appelle le King. Papa l'avait. Écoutez, vous pouvez laisser parler, s'il vous plaît? Il n'est pas venu donner son signe, il s'appelle Assel Méry, c'est papa, papa l'a 27 ans. Écoutez, vous me laissez parler. Après, les Roro, on va dire aussi, papa l'a 27 ans. Putain, c'est pas vrai. Écoutez, mais calmez-vous les femmes. Laissez le monsieur s'exprimer, vous n'avez qu'un problème, vous êtes fanatique. Roro, Roro, laissez qu'on vous respecte, mesdames. Je te demande deux secondes. Je te demande. Non, s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Laissez, va finir, laissez Black va finir, s'il vous plaît, les gars. Les gars, on se calme. Laisse-la parler. Oh, mais putain. Ok, une femme, ça se respecte. On est d'accord. Alors, donc, j'étais disant que ce monsieur-là, bon, moi, je ne le connais pas personnellement. Je crois que j'ai vu une, deux, trois de ses vidéos avec cette histoire de Kimi, c'est une chanson qui m'a plu. Voilà. Mais je suis monté tout à l'heure pour adresser un message à Roro. Je dis bien spécialement un message à Roro. Loin de moi la haine, la jalousie ou alors une confusion, je ne sais quoi. Je dis. Étant ami à Roro, connaissant Roro et ayant vu cette vidéo, je donne mon opinion sur ce quelconque baptême de feu en changeant de nom qui part de Roro à la Rose. Je dis non. Moi, c'est mon avis. Et je dis, à la limite même, c'est dégradant et c'est mal poli de fabriquer une histoire ou alors du moins de raconter une histoire et à la fin, dire à Roro, bienvenue. Bienvenue où? Bienvenue où? Parce que Roro, il est déjà là. Et j'ai dit tout à l'heure que parmi les blogueurs, parmi les faiseurs de communication sur TikTok, si on les compte, je ne peux pas le classer, mais il fait partie. C'est ce que je dis. Et moi, je dis que Roro ne doit pas accepter ça. Il est libre de le choisir. Il est libre de la... Mais moi, je donne mon opinion parce que c'est mon ami. Et je dis à mon ami, tu n'aurais pas dû, tu ne peux pas. Maintenant, la décision, la dernière décision qui revient, si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, c'est tu l'acceptes pas. Mais moi, je vois ça comme, je vois ça comme une moquerie. Je vois ça comme, à la limite, franchement, un rabaissement. Voilà. Moi, je prends aussi pour la tête. Je veux aussi que les gens se tranquillisent. Mais on ne peut pas m'empêcher de donner mon avis à mon ami. On est d'accord? C'est mon avis. C'est un débat. Vous êtes libre de voir. Je suis libre de donner mon avis. Je ne suis pas obligé d'appeler quelqu'un qui ou bien cuit, monsieur. Voilà. Je suis désolé.
Je suis désolé. Voilà, donc je suis remonté juste pour ça, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris. Ou alors les gens ne comprennent pas, ou alors ils font exprès de comprendre. Mais quand je les regarde, je Monsieur Black, ils sont en train de. C'était juste pour souhaiter une bonne arrivée à Oro dans son direct. Non. Madame, c'était un fair play. Madame, laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Je ne vous ai pas agressé, je ne vous ai pas insulté. Vous voyez, dans mes propos, je n'insulte personne. Dans mes propos, je n'insulte personne. Je ne manque de respect à personne. Vous comprenez? Voilà, je ne voulais pas indexer directement. Mais discutez pas les avis des gens, en fait. Je dis, je donne mon avis à mon ami. Je donne mon avis à mon ami que tu n'aurais pas dû. Parce que quand je fais le parcours des panels actuellement, il y a un débat qui est en train de se faire sur une autre page. Voilà, moi, je suis en Californie, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il est 6h30 ici, je suis déjà au travail. Mais je dis que les gens sont en train de prendre ça pour en faire une moquerie à la limite. Parce que je pense que c'est une moquerie. C'est une moquerie qu'il a mis dans une comédie, comme il sait bien le faire, ce monsieur. Bon, vraiment, son nom m'échappe, je suis désolé, mais je ne suis pas obligé de retenir son nom. D'accord ? Donc, Roro, à toi, je m'adresse pour finir. S'il te plaît, revise un peu ta copie et pense à ta team. Tu n'es plus Roro, tu n'es plus maître de toi, mais parce que derrière toi, il y a une population derrière toi. Merci. Bon. Roro, je voulais dire quelque chose rapidement. Il n'est pas notre, mais il a la conscience. Non, il a besoin de parler. Juste, mesdames, s'il vous plaît. Je dis que tu dis qu'il a une âme derrière lui, mais il a une conscience au moins, non? S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît. Quand il est monté dans le direct du King, là, c'est tout juste pour lui dire bonne arrivée. En blaguant, lui, il a vu ça chez plus. Donc, il n'a aucune recette là. Excusez-moi, mesdames, s'il vous plaît, j'ai juste un mot à dire. Il faut pas nous baptiser, il ne faut pas la recette là. Ou garçon et princesse. S'il vous plaît. Même quand elle a dit qu'un garçon princesse, il ne faut pas la recette là, ça lui fait rien. Mais c'est sa team qui a fait monter ça. Ça nous fait mal, ça nous fait mal. La vérité. Si on dit papa la recette, ça n'est rien, hein. Papa la recette, hein. La vérité, juste un instant. Ok, Vlugubaga, j'ai compris. Roro, quand je suis monté sur ton panel, non, sérieusement, hein, même en laissant tomber cette histoire d'Axel et Kimi, là, je te parle sérieusement. Quand je suis monté sur ton panel, quand je suis arrivé, j'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Ok, je suis venu, j'ai salué tout le monde, j'ai commencé à parler. S'il y a des gens qui sont dans une position de game aigu où ils ont perdu leur éducation, moi, je ne peux pas tolérer ça, Roro. Alès, tu es un homme, faut laisser la personne même n'est plus là, s'il te plaît. Faut laisser tomber, tu es un homme. Il veut parler, s'il te plaît. Oui, Alex, tu es mon gars, j'ai dit laisse tomber, s'il te plaît. Un homme, c'est calme. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bien vrai qu'on est entouré des dames. On est bien entouré des femmes, on est bien entouré des dames, mais il faut comprendre qu'un homme garde toujours sa position d'homme. Donc, reste tranquille, laisse tomber cette histoire-là. Vraiment, c'est comme ça, c'est l'ambiance, c'est le game. Voilà, on est là juste pour la joie. Non, Clash. S'il te plaît, Alex. Non. S'il vous plaît. Souffrez. S'il vous plaît, si la présence d'Alex ici vous dérange tant, et sachez une chose qu'il est la bienvenue ici. Nous ne sommes pas là pour régler le problème. Les beaux indifférents entre à l'est et vous, s'il vous plaît. Non, calmez-vous. Et Kalash, s'il te plaît, on se calme, on laisse tomber cette histoire-là, s'il vous plaît. Nous sommes là pour parler du baptême qui aura lieu le samedi. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, on renchérit sur le sujet, s'il vous plaît. On reste là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Rose, je voulais juste répondre. T'entends Black qui pose la question. Non, laissez-moi aussi parler, non. Alex, il a dit oui, bien. Tu vas parler. Vous avez parlé, attends, maman divine. En fait, t'entends Black, quand Alex disait bienvenue Roro, c'est-à-dire bienvenue dans mon live, parce qu'il venait de voir Roro faire son entrée dans son live. Voilà pourquoi il avait dit bienvenue. C'est pas dans la mauvaise pensée, c'est pas dans le mauvais sens. Il a vu Roro rentrer, il a fait son speech, et à la fin, il a dit bienvenue Roro. Bienvenue dans la bouteille.
Ou j'ai une manière de te valoriser aussi, dans la blague, dans l'ironie. Il a plus ça compris. Et Roromem a écrit, le commentaire de Roromem a été épinglé dans le live de Axel. Si vraiment il y a... Franchement, moi je ne vois pas là où il y a l'insulte là, où l'on est en train de diminuer Rose, je ne vois pas ça encore. Au contraire, regarde tout le monde qui dénigre Axel sur TikTok. Mais belle dame. Il t'a choisi toi seul, donc il a vu que tu es quelqu'un qui a le discernement. Grand frère, oh, il a vu que tu as un discernement, tu as une conscience en toi. Donc quand cette femme là parle, Roro, quand cette femme la parle, personne n'a droit à la parole. Ah, bien, mais si elles sont là, elle a leur problème, elle veut nous faire. Depuis que moi je suis venue là, je n'ai même pas eu droit à la parole. Si je veux parler là, on m'interrompt. Je n'ai même pas eu droit à la parole. Moi, j'étais juste montée pour dire merci à Roro. Donne-moi la parole, s'il te plaît. Bon, Et chose, attendez, on va se calmer, les filles. On va se calmer, on va s'organiser pour parler et chose là. On va parler. Pour mieux s'entendre, s'il vous plaît, parce que là, il y a trop de choses. Juste de passage, je tiens à vous saluer. Juste de passage, je suis au boulot. Je vous embrasse. Merci. Je salue l'œil du drone qui fait que des captures d'écran. Merci. S'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît, on va s'organiser autrement, s'il vous plaît. Et chose, Livy, prends la parole, s'il vous plaît. On laisse Livy. Mesdames, vous savez, sans vouloir vous manquer de respect, moi, il va vous faire comprendre quelque chose. Si ce live, apparemment, il y a beaucoup de fans de comment vous l'appelez, même le roi, non? Comment vous l'appelez? Axel Meryl. Voilà. Nous, là, moi, particulièrement, je ne déteste pas Axel. Il y a eu un débat qui s'est passé entre deux personnes. Chacun a pris parti pour la personne qu'il préfère. Maintenant, Roro, que nous tous, on est toujours dans ces lives-là. Il y a eu beaucoup de passages. Mais attendez, non. Là, je vais descendre maintenant. Là, maintenant, méchant va s'activer. Hein. Méchant. On parle poliment, vous voulez parler fort aussi qui même. On parle poliment, mais vous n'entendez pas. Là, méchant va s'activer. Attends, j'ai activé le méchant. Vas-y. Exprimez, ne coupez pas la parole. Laissez chacun s'exprimer. Tata Livy, exprime-toi, ma chérie. Voilà, donc je disais là. On comprend votre opinion. Vous savez que c'est comme quand on donne un test à l'école. Un test, on doit traduire, peut-être traduire le test ou répondre aux questions. Chacun répond comme il a compris le truc. C'est pas des trucs à discutables, en fait. N'obligez pas les gens à avoir la même opinion que vous. C'est pas possible. Moi, quand j'ai regardé le truc d'Axel, franchement, il y a sûr qu'il n'y avait pas de haine. Moi, je voulais embêter un peu Roro, il n'était pas haineux. Mais moi, j'ai compris ça autrement, comme vous comprenez. Vu que je n'étais pas sur son live, c'est l'enregistrement seulement que moi j'ai vu. Maintenant, si ma pensée n'est pas votre pensée, pourquoi vous voulez forcément imposer votre pensée aux autres? Le monsieur a dit ce qu'il lui pense. Il n'est pas en train de dire qu'il n'aime pas Axel ou n'est pas en train de dire que vous vous mentez. Mais ce qu'il pense qu'il a dit, moi pareil, il a dit que comme j'ai vu, il me dit que il veut dire que Roro a un comportement garçon princesse, il dit que c'est pas ça. Il dit ok, j'ai compris. On passe là-dessus. Chacun est libre de penser comme il veut penser. Mais vous avez un mouvement où vous entrez parler des fans, où vous venez d'obliger à recevoir le King. Non, le King est le King, on sait, respect au King. Mon papa n'a 5 millions d'abonnés. On a compris, on n'a rien contre lui, mais sur ce point-là, c'est un test qu'on est en train de traduire. Chacun répond aux questions, chacun répond comme il a compris le test. Et moi, j'ai dit que j'ai compris ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'Axel a dit, il a dit ça avec haine. Il n'a pas dit ça avec haine, on le sait. Mais on est libre de penser comme on veut penser. Le King, il est là. Bonne arrivée, le King. Vous voyez, c'est pas avec haine. Si Roro même a mis ce débat parce qu'il veut que chacun donne son point de vue, c'est comme la opinion, on n'allait pas faire ce direct-là. C'est le point de vue qu'on est en train de donner. Oui, on que... Moi, je ne joue King pas. Là, c'est pour te prouver qu'il n'a rien contre toi. Tu as dit non. Arrêtez-moi ça. Il n'a rien contre toi. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Attendez, on se calme. Je vous dis, par rapport à ce baptême du samedi, là, vous êtes d'accord ou pas? Je viens de l'hôpital, je ne vais pas chez moi. Attendez, élu de Dieu, hein? J'ai été baptisé hier par Axel Meryl, Rose. J'ai promis à Axel Meryl de changer le nom dès l'instant où il m'a baptisé depuis hier. Et c'est fait. Je vais mettre ma caméra, regarde la position que j'ai prise. La santé de mes clients. J'ai la position que j'ai prise.
Allô, allô, allô. Quelque chose là, c'est pas bon. Je suis pas d'accord. La position que j'ai prise actuellement, c'est pas la bonne position. Maman, élue de Dieu. Maman, laissez affaire d'organes. J'ai dit, ça ne fait pas long. Élue de Dieu. Maintenant, là, tu as un souci. La colère ne règle rien. Maintenant, là, tu peux te t'imposer. Donc, attendez, je vais parler. Attendez, je vais parler à celle. Attendez, s'il vous plaît, je vais parler. Arcel, je vais parler à Arcel. Arcel, attendez, je vais parler à Arcel. Arcel, le baptême, attends, le baptême de la rose est prévu pour le samedi. Arcel, voilà. Viens me baptiser le samedi. Calmez-vous, parce qu'on ne peut pas parler tout à la fois. Oui, mais écoute, maman, tu es énervée. Tu as dit que tu as parlé d'hôpital. Je suis énervée, j'ai pris ça que je suis ta comprimée, je viens de l'hôpital. Je vous explique. Oui. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu as parlé d'hôpital, c'est pour ça que moi, je suis montée. Mon petit gars a dit que ça marchait sur Rose Bonbon. Lisez son commentaire. Non, Divine, c'est la pitié. S'il te plaît, Divine. Non, attends, Arcel, donc tu confirmes, Arcel, tu confirmes que tu m'as bassé, c'est ça? Arcel, tu m'as bassé, mais viens me basser encore le samedi. Le samedi, je prends mon baptême. Rose, c'est officiel. Non. Maman élue de Dieu, calme-toi. Dans la colère, on ne rêve rien. Actuellement, tu es impulsive. Il faut te calmer un peu. D'accord, ça va aller. Il faut te calmer. C'est un peu. Calme-toi. Maman élue. Attends, tu vas pas t'énerver. Non, et puis, pourquoi le petit là? Le petit a dit non de me rallier. Regarde. On se calme. Le petit là, il est où? Non, j'ai dit. Mais Roro, il faut que tu achètes mes médicaments. Je ne me sens pas bien du tout. Moi, j'ai pas de problème. En plus, c'est vrai, là. Personne ne te dit de te rallier. Mais on te dit d'accepter la décision de Roro, c'est tout. Attendez, qui a mis son ami dans bouteille? Qui a mis son ami dans bouteille au juste même? Qu'est-ce qui se passe? Élie, tu es à l'hôpital, il faut te soigner d'abord. Je m'en vais.
je ne viens plus sur ton live. Je suis énervé, c'est fini. Oh, pardon, pardon. Hey. Yati, pardon. Elle est descendue. Hé, oh. Hey, oh. La dame. Oh. Oui. C'est que moi, je veux te dire, la pardonne, laissez-moi m'exprimer. Il n'y a pas la oh, oh. Je ne veux pas parler mal de quelqu'un. Pardonne. Ah, vas-y. Oh. Pardonnez. Attends, maman Libby. Oui. Écoutez, calmez-vous. Non, vous ne me connaissez pas. C'est pas pour vous manquer de respect, c'est pas venu couper la parole comme ça. Non, c'est pas ça. Non, moi je vais m'adresser à Roro lui-même. Je vais m'adresser à Roro lui-même. Non, c'est juste deux. C'est moi qui voulais. Attends, Black, un instant, laissez-vous parler, Black. C'est deux minutes, pour essayer de diminuer la tension de maman élue. S'il vous plaît, Chris, Divine, Chantilly, s'il vous plaît, descendons. Moi, je ne descends pas. Je suis là, okay, ça, non, c'est que, pardonnez, laissez tomber. Si elle a l'eau, d'accord. Si cette histoire de Rose, là, ça va vraiment assez loin. Voilà, peut-être chacun a On se calme, et chose, Grand Combo, on se calme, s'il te plaît, on se calme. Je pense qu'elle a des médecins avec elle, ça n'a rien à voir, c'est pas cette Rose-là qui a... Non, comme elle dit qu'elle a l'hôpital, oui, là, oui, c'est à cause de ça. Elle va plus monter, elle est descendue, je vais l'appeler après. Non, laissez tomber, s'il vous plaît. Non. Écoutez, s'il vous plaît, comprenez une chose. Vous êtes fâché, je vous comprends. Mais moi, Roro, je vous dis, j'assume ce nom. Et c'est pourquoi je vous invite ici ce samedi pour ce grand baptême-là. Je vais prendre ce baptême-là, Rose-là. Je l'ai déjà changé et je ne vais pas retourner ma veste. Rose, mais qui a été baptisé? C'est Rose. Qui va te baptiser? Qui doit te baptiser? C'est Assel qui va me baptiser. En plus, il me demande de mettre bonbon encore dessus. Assel a un problème avec moi. Il ne s'arrête pas sur Rose. Il dit de mettre Rose. Mais pourquoi le fait diminuer? Qui t'a déjà accepté contre son choix? Assel, là, tu es en train de me provoquer. Tu me demandes de mettre Rose bonbon. Donc, mais qui t'a déjà accepté? Ça me dit... C'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Bon là-dessus. Attends, Assel. Attends, calme-vous, Tama. Tima, plutôt, calme-toi. Samedi, j'ai déjà changé. Tu sais que c'est chaque semaine. Et chaque semaine, on peut changer les noms. J'ai déjà mis Rose. Hier, tu as dit Rose. Aujourd'hui, tu viens de dire bonbon. OK. Aujourd'hui, tu dis bonbon. D'ajouter Rose bonbon. OK. Donc, considérez que je m'appelle Rose bonbon. Donc, en ce moment, c'est Rose qui est là. Après, je vais mettre le bonbon à la suite. Il n'y a pas de problème. Les gars, on se calme. Moi, je veux te parler. Voilà, excusez-moi. Moi, je suis en train de dire, moi, je voulais parler à cause de la maman élue de Dieu, là. Franchement, moi-même, la voix dans cet état-là me dépasse parce que c'est une histoire de game. On est en train de se plaisanter. Comme je l'ai dit, là, on n'est pas dans une position. Moi, je ne suis pas fâchée. T'appelles Rose, t'appelles sexy, Nanio. Ça, ce n'est pas mon problème. Tant que tu es en live, on vient, on monte, on enchérit, on descend. Le nom que tu mets sur ton live ne m'intéresse pas. Mais tu veux arrêter de vous appeler sexy, la plus sexy, on est dedans. Ça, ce n'est pas mon problème. Seulement que moi, j'ai donné mon point de vue sur comment j'ai compris quand j'ai vu l'enregistrement. Ces gens ont expliqué que non, c'était pour te dire bonne arrivée quand tu viens d'arriver sur le live. Ok, il y a foi. Maintenant, vu que la maman, lui de Dieu, elle est ta personne, elle est toujours sur tes lives. Moi, je voulais te dire qu'il faut essayer de calmer un peu, ne pas à cause de sa santé. Tu vois, elle te dit qu'elle aime. Il faut dire, ok, j'ai compris, je laisse. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est des gens qui sont toujours avec toi, elle est toujours avec toi. Moi-même, j'ai monté de la visée, elle est croisée tous les jours. Donc, pardon, il faut, à cause d'elle, là, il faut essayer de faire balader, pour essayer de régler les choses. Comme c'est ta personne qui est à l'hôpital, moi, mais c'est étonné que. On va régler, t'inquiète. On peut aller à l'hôpital, TikTok, et c'est dépassé. Sinon, on va régler. Mais c'est Axel, il faut l'appeler sexe, Nini Gbia, il y en a dedans. Tout ce que tu lui donnes, si lui, il est d'accord, c'est son problème. Oh, comme Axel d'hôpital est rentré dedans, là. Donc, moi, je vais devoir quitter le live parce que je ne veux pas que. Elle n'est même plus dans le live. Qu'est-ce que. On va te chercher. Elle est partie par ton restaurant pour s'amuser. La tati n'est pas mal. Calmez-vous. Vous avez dit que tout, vous voulez quitter. Viens quitter. Vous quittez. Attendez. Là, c'est pas ça. En fait, laissez le sujet de élu de Dieu, s'il vous plaît. Moi, je gère, c'est ma personne, je gère ça, s'il vous plaît. Ça me regarde, c'est entre moi et elle, s'il vous plaît. Ah, c'est qu'il y a un riz couché là-bas. Non, ça n'a rien à voir, ça, moi, je sais comment je vais gérer, il n'y a pas de problème. Voilà, là, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de ce baptême-là, venant d'Arcel. Voilà. Mais papa, oh, tu vas lui donner une rose. Comment je vais lui donner rose? Moi-même, c'est moi-même, on doit me donner une rose là. Aïe. Mais si elle te donne rose, tu auras beaucoup de roses, donc tu dois lui donner une rose. Mais c'est une seule personne, c'est une seule rose. Il y a rose depuis à Rosette. Dans la bouche d'Arcel, il n'y a pas plusieurs roses, c'est une seule rose.
Mais pardon, en fait, quand il t'a dit bienvenue, c'est bienvenue dans la bouteille. Mais dans la bouteille, il ne faut pas prendre trop d'espace, quoi, parce qu'on est déjà beaucoup dans la bouteille. Ah bon? Il ne faut pas piétiner mon pied, s'il te plaît. Ah là là, là là, là là, en tout cas, ma po, et j'ai. Et encore, tu es un autre beau. Tu es un autre beau. Assel, ma po, tout mené. Attends, tout à l'heure. On ne se presse pas, les gars. Donc, les gars, vous voyez, le nom rose, là, Assel n'est plus content du nom rose. Il veut que... Il veut il a dit Assel. Roselinda. Eh non, mais à la fin, tu sais... Assel, calme-toi. Faut te calmer. Le babo. Oui, maman. Tu rejoins, tu me... Oh, la mignonne. Bon, c'est la.